marcher. Ça va te réchauffer. En suivant la Duc, on devrait arriver au château d'Ombrage avant la nuit. C'est quoi ce bruit? C'est rien. C'est juste des grenouilles, Hugo. Il a l'air d'aller bien. Oui, croisons les doigts. Ça va, t'as pas froid? Un peu, si. Ça a pas l'air de gêner Hugo. Au moins, il se réchauffe. Ouais, mais... là, il s'éloigne trop. Hugo, où est-ce que tu vas? Hugo!
suis un chevalier. Un bouclier anglais? Où as-tu trouvé ça? Là-bas, c'était par terre. Repose ça. C'est pas pour les enfants. Non, t'es pas drôle. Allez, avance. Tu sens cette odeur? Oh, oui, ça sent mauvais. Ouais, c'est horrible. C'est bizarre. Qu'est-ce que c'est? Oh, ça sent vraiment mauvais. Ça vient de là-bas. Hé, vous faites quoi?
sont si jolies. C'est des quoi, ça, déjà? Des glaïeuls. Ah oui, voilà. Elles te plaisent pas? C'est pas un bon signe. Hugo, ce sont des fleurs. Oui. Lucas, venez voir, vite! Il faut qu'on suive l'aqueduc. Oh, c'est pas vrai. Amicia, on va leur marcher dessus. Je sais, Hugo. On n'a pas le choix. On leur fait mal, tu crois? Avance, Hugo. Avance.
On ne devrait pas être ici. Oh, cette odeur, c'est insupportable. Je me sens pas bien. Ne regarde pas. Concentre-toi sur l'aqueduc. Qu'est-ce qu'il a, ce cheval ? Lucas ? Je sais pas.
partout. Partout. Mais c'est pas vrai. Pas des soldats. Ils faisaient quoi? Ce sont des pillards. Ils cherchaient des choses à voler. Mais pourquoi? Pour survivre, sans doute. Comme nous. D'accord. Je pensais pas que ce serait si dur. Tu m'aiderais avec ça? Bien. Oui. Oh, attention. C'est bon. J'ai réussi. Viens. Reviens. Allez. Voilà. Oh, mes bras, ils sont tétanisés. Bien joué tous les deux. Les herbes, vite! Il faut pas qu'ils nous voient. Amicia, sa lanterne. Oui. Des gamins. J'ai compris. Ils arrivent. Venez par là. Oh mon Dieu. C'est horrible. Mais ça a marché. On est coincé. Dans la tour, il y a de la lumière. Il y a trop de draps.
On est coincé. Dans la tour. Il y a de la lumière. Il y a trop de rats. On est coincé. Ça serait pas nos vermines de pillard, ça. Il y a trop de rats. On est coincé. Pas de problème. Par où on va passer? Ils sont partout. Ça va me simplifier la vie. Passe devant. J'arrive. Suis-moi. D'accord.
n'y arriverai pas toute seule. Tu veux bien m'aider? Bien. Tu peux le faire? Oui. Je vous aide. Attention, ne te brûle pas. On fait trop de bruit. Ils vont nous repérer. C'est quoi? Quelque chose. Encore? C'est quoi ça? On peut pas me laisser partir. Allez, monte. J'arrive. Par ici. Viens. D'accord. Un coup de main? Pas de problème. J'ai besoin que tu le fasses. D'accord. Thank you.
avancer. Je vous aide. Attention, ne te brûle pas. On fait trop de bruit. Ils vont nous repérer. Qu'est-ce qui se passe encore là-bas? J'y vais. Oh non. Vous n'aurez jamais dû venir. Aide-moi à pousser. J'arrive. Les roues sont embourbées. On va continuer sans. Venez. Il faut qu'on continue à suivre l'aqueduc, Amicia. Mais il y a des rats partout. Chut! On va trouver une solution. Là-bas, une torche. Si j'y vais seule, j'ai une chance. Ah, bordel, j'en peux plus de ces rongeurs. Et vous avez rien eu à foutre que vous acharnez sur un cadavre? Rien.
Essaie d'ignorer tout ce que tu vois ici, Hugo. Sans Amicia. Il y a un soldat. Il bloque la route. Je ne vois pas d'autre chemin. C'est pas vrai. On n'a pas le choix. Faut le prendre par surprise. Tiens, prends ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ces choses? Du somnoum. Tu vas voir, mélange-les. C'est sur son visage. Mais t'es fou, Lucas. Bon, j'espère que tu sais ce que tu fais. Thank you.
dort vraiment ? Oui, pour un moment. Merci, ça va nous sauver la vie. Une autre machine. Elle a l'air un peu différente. Je crois que je vois du bois là-bas, mais ça va pas être simple. On doit essayer. Il va nous falloir du feu pour passer. Est-ce qu'on peut la bouger ? Je vais essayer. Je vais lâcher. Attention ! Tu veux bien y aller ? Je peux pas, Amicia. Tu peux t'en charger ? D'accord. Arrête. Vas-y, Hugo, c'est bien. Ne bougez pas, je reviens. C'est bon, venez. J'ai besoin que tu le fasses. Oui.
peux t'en charger. D'accord. Tu peux arrêter, s'il te plaît. J'ai besoin que tu le fasses. J'arrive. Tu peux t'en charger ? J'avais réussi. C'est Hugo qui a fait le plus dur. Moi, je veux juste qu'on parte d'ici. Moi aussi. Allez, on n'est pas encore au bout. Il y a du feu derrière ce chariot. Pas mal. Pas mal du tout.
Tenez-vous prêts. On va devoir rester dans la lumière. Le chariot, il est tenu par une chaîne. Tiens pas. Non, cours. Je suis pas sûre là. Pour l'instant, ça marche. Bon, eh bien, ça a marché. T'aider à monter. Je peux pas. Amicia, je me sens bizarre. Qu'est-ce que tu as? Ma tête. La macula. On doit sortir de là. Hugo? Hugo! Pense aux grenouilles. Tu te souviens comme elles sautaient? Tu courais après. Allez, viens, on va en chercher d'autres. Oui, on doit s'en aller d'ici, Amicia. Oui, on va s'en aller, on va quitter cet endroit. Hein.
Ils sont vraiment nombreux. Courage, les gars. Oui, mais on n'a pas le choix. Je sais que vous êtes fatigués. Je sais qu'on n'est pas assez nombreux. Et je sais aussi qu'on aimerait être loin de ces putains de rats. Mais ce sont nos morts. Ça aurait pu être vous. Et vous auriez voulu qu'on vous offre une sépulture décente. Ils sont morts pour l'Angleterre. Allez, la Guyenne est à nous. C'est quoi ce bruit ? J'aurais pourtant juré. Amicia, je suis très fatiguée. Regarde, on voit des arbres à nouveau. Je pense qu'on arrive au bout. Enfin. Sortez d'où ? Vous êtes seul ? Attention ! Réponds, salopard ! C'est ma sœur, sale chien. Laisse-nous partir maintenant ! Laisse-nous et on reviendra plus ! C'est juré ! Tu rêves ! Chez nous, les pillards, on les exécute sans procès. Qu'est-ce qu'on fait ? Trop risqué. On continue. Et eux alors ? Tu
Y'a du gravier, je parie. Fichons le camp d'ici. Viens, on les suit. Là-bas, ils s'enfuient. C'est l'heure de la pitance. T'as de la chance, tu sais. Les pillards comme toi, on les crève sur place sans discuter. Mais moi... moi, j'ai l'œil pour ces breloques de nobles. Heureusement pour toi, j'ai plus le goût de l'or que le goût du sang, Lady de Rune. Où est mon frère? Hé, il va bien. Mieux vous vous portez, plus gros c'est la rançon. D'ailleurs, j'y suis peut-être allé un peu fort. La rançon? Qui l'a payée? Tu verras bien. T'es plus chez toi, gamine, alors sois sage, c'est compris? Sale chien! L'autre, c'est Arthur. Tout ça, c'est votre faute. Où est mon frère? Pas loin. Baisse la voix, tu veux? Ces chiens ont pris ma fronde. T'en as pas besoin.